Ah, vous êtes là? Pardon. Bonsoir. Je m'entraîne. Je m'entraîne. J'ai des soirées de prévues, donc je m'entraîne. Hein? Je suis pas que directeur de parc d'attractions. Hein? Vous le savez, hein? Je fais aussi des mix DJ. Donc, c'est mon loisir, vous le savez. Bon, bref, assez parlé. Bienvenue dans ce 33e épisode du Let's Play à Water Snake Valley. C'est Tom Phoenix en train de mixer. Bon, ok, voilà. Alors, c'est bien mignon, mais on a quand même du boulot. Et aujourd'hui, le boulot que je vais vous montrer, bah déjà c'est ce qu'on a fait lors du dernier live. Bon, je vais vous remettre en jour, hein, comme ça vous y verrez mieux. Alors, dimanche dernier en live Twitch, qu'avons-nous fait? Eh bien, comme vous pouvez voir, il y a des nouveaux bâtiments autour de la montagne russe. C'est le bâtiment d'embarquement des télésièges, enfin des télécabines, pardon. Décidément, je n'arriverai jamais à le prononcer correctement. Donc, bâtiment simple, j'ai absolument pas fait l'intérieur, et c'est pas dit que je le fasse, pour des raisons évidentes d'optimisation, non pas fiscal, mais de graphisme, parce que le PC commence à sentir que ce parc n'est pas un petit parc de campagne. Donc voilà, il y a eu un premier bâtiment d'un côté. D'ailleurs, j'ai l'impression que l'hélicoptère traverse à moitié le bâtiment. On va vérifier ça un peu plus tard. Et un deuxième bâtiment, une copie, bien évidemment, quasi copié de l'autre côté pour la télécabine, puisqu'il y a une station en haut, une station en bas. Également, durant ce live Twitch, nous avons fait ce bâtiment-ci, le OMG. Alors, je pourrais presque rajouter OMG TV, puisque c'est le bâtiment de la télé locale de la ville du futur. Et pour faire le logo, bah, je me suis pas embêté, hein. J'ai pris les trois lettres en néon et je les ai superposées les unes sur les autres et ça fait cette espèce de truc informe. On sait pas s'il y a un 4, on sait pas s'il y a un O, on sait pas s'il y a un M, on sait pas s'il y a un G. Bref, peu importe, de toute façon c'est que de la déco. Mais bon, j'ai essayé quand même de casser un petit peu l'architecture du bâtiment, que ce soit pas uniquement un cube de verre. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à notre station souterraine de train. Et oui, le train a pris place en souterrain sur cette zone. Et ben pour le moment c'est que de la pierre, enfin c'est que de l'asphalte, enfin bref c'est dégueulasse. Je veux lui donner un côté station de métro, donc et ben, comme d'habitude, top au générique, et on est parti pour un premier accéléré. À tout à l'heure. Thank you.
Et voici notre station de train enterré, comme son nom l'indique, underground. Et vous pouvez voir qu'il y a d'un côté l'entrée, de l'autre côté la sortie. Vous avez pu voir dans ce premier accéléré que j'ai galéré, et d'ailleurs il y a encore des petits détails là, puisque je vois qu'il y a de la pierre qui dépasse du mur à corriger. Mais oui, j'ai bien galéré pour refaire ces chemins et pour que ça colle au terrain extérieur. Du coup, on s'enfonce dans le sol. C'est très simple, hein. C'est blanc avec des arcades rouges. Il n'y a pas beaucoup de détails à l'intérieur. Quelques lumières, quelques panneaux indiquant le métro londonien, hein, le plan du métro londonien. Mais rien de plus, rien de très exceptionnel. C'est une station pour ramener au train et basta. Toute la station est aussi sur le thème du métro, donc on peut voir le tube. J'ai pas été plus loin pour le tube. Je pourrais. Mais bon, ça fait des pièces en plus, comme je vous ai dit. Pour le moment, je suis en mode je limite les pièces. Du coup, eh ben on va ressortir. Hein. La sortie, c'est tout droit. Et basta. Voilà. Alors, on va juste passer en mode jour, parce qu'il y a eu du off également. Et en off, ce qui a été fait, eh bien vous pouvez voir que le désert commence à avoir... quelques petits décors supplémentaires, à savoir une jolie petite déchetterie de métal, là, de ferraille, avec des tanks, des vieux tanks qui sont un petit peu abîmés par le temps. Pas mal d'éléments de poutres métalliques qui ont été utilisés pour la construction de précédents buildings. On peut voir qu'il y a également des carcasses de voitures. J'en ai pas mis beaucoup pour le moment, mais justement dans le deuxième accéléré de cet épisode, je vais m'attaquer à la thématisation du ring et du coup, eh ben, on va faire une attraction un peu scrap. Oui, bon, ok, il y a déjà une zone scrapland, mais un peu déchetterie du désert. Avec beaucoup de métal, beaucoup de rouille et beaucoup de choses qui feraient mieux d'être recyclées parce que ça le fait vraiment pas. Bref, on part sur le deuxième accéléré. We'll be right back.
Et voilà, mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter The Ring. Comme vous pouvez le voir en action derrière moi. Donc, une attraction flat ride toute simple, hein, mais avec une jolie petite thématisation très... on ne sait pas si c'est spatial, si c'est déchetterie, hein. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des émanations de gaz, il y a du lance-flammes, comme j'adore, vous le savez. Donc, voilà, The Ring. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, on va allumer la lampe torche. Et donc, vous pouvez voir qu'on a un enchevêtrement de métal à l'arrière de l'attraction, à l'arrière et tout autour de l'attraction. Et tiens, ils sont tous resynchronisés. Bon, c'est pas grave. Et on voit le The Ring qui est dans en lettres de lumière, dans eh bien une ancienne tour complètement destroy, désaffectée, à moitié détruite. On peut voir qu'il y a des morceaux de métal, de vaisseaux. On ne sait pas trop ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une déchetterie à ciel ouvert. J'y ai placé un petit parc à bœufs recouvert d'une plaque de béton et éclairé, bien évidemment, voilà. Pour finir de thématiser un petit peu la zone, des arbres morts, de la caillasse. Et en off, j'ai également placé cet avion complètement explosé dans le désert. Donc ça y est, la mini-zone désertique de la zone City of Future. Et non, elle n'est pas terminée, puisque bah, vous pouvez voir que pour le moment, il n'y a pas le bâtiment pour l'embarquement des Omnimovers. Mais en tout cas, la zone en tant que telle, là, cette attraction, elle est bel et bien thématisée. Et c'est bien sûr ce plan que, comme d'habitude, c'est le moment de terminer cet épisode. De vous dire bien évidemment qu'il y aura un stream sur Twitch à la fin de l'épisode, enfin à la fin de la première de cet épisode, comme tous les dimanches à 22h15. Et de vous inviter, comme chaque semaine, si cet épisode vous a plu, à le liker, à le partager autour de vous, à laisser un petit commentaire, comme à mon habitude, je les lis tous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche. Il y aura bien évidemment un autre épisode la semaine prochaine. Peut-être d'autres types de contenus, hein. Il est possible que j'ai... quelques soirées DJ de prévues, bref. Et donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis ciao !